Salut tout le monde, c'est Fouedi 134, bienvenue sur la chaîne. Donc là je vais vous présenter le glitch de José, duplication solo de Lowrider. Donc comme vous pouvez voir, il va vous falloir un camion, des Fagio, une RH8 ou une custom à dupliquer, un camion mobile avec un module 3, il vous faudra un garage. C'est le garage de fonction. Donc je vais vous montrer ça. Il est très très facile comme vous avez expliqué. Donc vous allez sûrement halluciner et vous faire plein d'argent. Donc profitez-en les gars. Donc là, j'ai commandé mon camion mobile. Je vais mettre les Legi à l'intérieur. D'accord? Vous mettrez le véhicule que vous voulez dupliquer dans le camion. Donc il vous faudra aussi avoir une invitation au braquage obligatoire. Donc vous verrez que je vais utiliser l'invitation au braquage. Donc là, je ressors du garage. Donc abonnez-vous les gars, on a d'autres glitches. Abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez dans la chaîne à José, d'accord, elle est en description. Abonnez-vous les gars. Il représente et il a plusieurs glitches à vous sortir. D'accord? Comme ça, vous mettez la cloche et vous l'aurez de suite dès qu'il vous le sort. Hein? Franchement, il a trouvé de A à Z ce glitch. Donc là maintenant, je suis ici. Je vais commander un Fagio et rentrer dans mon camion. Donc vous sortez le menu. Vous commandez le Fagio parce que vous êtes en club de motards aussi. On va vous mettre en club de motards. Pour pouvoir commander des Fagio rapidement. Donc là, je suis déjà en club de motard. Hop, je mets Fagio, je clique et je rentre dans le garage. Pouf. Je vais monter dans mon véhicule. Je vais ouvrir mon téléphone et je vais préparer le braquage. Donc dès que j'ai cliqué, je clique jusqu'à temps que ça soit presque validé. Vous voyez là? Là, je vais valider le braquage et accélérer. J'ai juste ça à faire. Donc ça va me bugger. Une fois que ça va me bugger, ça va me refuser dans le braquage. Vous voyez là, ça m'a éjecté du braquage. Hop. Donc là, c'est bon. Maintenant, je ressors mon téléphone et je fais une activité Martin. Dès que je serai dans cette activité, je la quitte. Donc je vais vous montrer plusieurs fois la manipulation. Comme ça, c'est clair, net et précis. Donc je compte sur vous pour en parler un maximum autour de vous. Partagez. Partagez si vous pouvez sur PS Message. Vous invitez tous vos potes qui jouent à GTA. Ça fait toujours plaisir là. On n'a rien à cacher. Les glitches, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Soyez solidaires. C'est un glitch solo. Vous avez besoin de personne. Mais c'est pas une raison pour faire ces petites duplications dans son coin. Donc vous pourrez être en session. Sur invitation, session pour amis, session publique. Donc là, vous voyez, j'étais dans la mission Martin. J'ai quitté la mission Martin. Je suis revenu, il y avait un véhicule. Donc je reprends ce véhicule et je le rentre dans le garage. Et le garage, il faudra qu'ils me disent, votre garage est plein et vous faites un échange de véhicules. Donc là, regardez, vous voyez, votre dépôt est plein. Il faut le faire, l'échange de véhicules. N'allez pas dans votre garage direct parce que vous n'aurez pas la duplication. Donc là, la duplication, elle est validée maintenant. J'ai plus qu'à recommencer. Donc je ressors, je vais commander un Fagio. Et je rentre dans le camion. Donc grâce au Fagio, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Je rentre dans le camion, je monte dans la voiture, je sors mon braquage, je valide mon braquage. Et j'accélère en même temps. Enfin, juste après, pas en même temps. Là, vous cliquez un coup. Là, voilà. Dans ce message de confirmation. Vous confirmez, vous accélérez. Ça va vous faire ce bug.
Vous allez réapparaître dans la map, vous allez être éjecté du braquage. Vous ressortirez votre téléphone et une mission Martin. Et ça, vous le faites en boucle. Donc vous allez dupliquer environ une éligie par minute. C'est énorme. Donc je pense pas que vous ayez vu sur GTA un glitch comme ça, aussi facile, aussi rentable. Donc j'espère que vous allez faire un gros big up à José et vous allez vous abonner à sa chaîne que j'ai mis en description. D'accord? Je compte sur vous. Il a besoin de vous et en plus il va vous faire des lives. Donc il va faire des tests de glitch. Il va faire des lives dès qu'il aura fait un nouveau glitch. Donc là, on espère avoir pas mal d'abonnés. Comme ça, ces glitches seront bien vus par toute la communauté de GTA. Voilà. Une fois que vous avez quitté la mission de Martin, vous allez récupérer votre duplication. Vous la re-rentrez dans le camion. Et une fois que vous serez dans le camion, votre duplication, elle sera faite. Voilà, on peut recommencer une fois. Là, je vais sortir mon braquage. Message de valider. Hop, je valide et j'accélère. Donc, il vous faudra acheter des Fadjo partout où vous voulez, sauf dans le club de motards. D'accord, les gars? Pensez à bien rentrer dans le camion. Sinon, votre duplication, elle sera ratée. Donc vous faites échanger, échange de véhicules et c'est bon. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le camion et une Elegy custom, hein, vous voyez, moi je suis level 20, j'ai réussi. Hein. C'est grâce au glitch donné à un ami. Donc ceux qui n'arrivent pas à acheter ça, faites le braquage. Vous avez des vidéos de braquage dans ma chaîne. Vous pouvez faire le braquage en illimité. Donc je vous ai donné la technique pour pas perdre les préparations. Pour le faire en illimité, en mode élite, en mode sans élite. Donc vous n'avez pas de raison de ne pas réussir ce glitch. Voilà, vous êtes obligé de le réussir. Donc il va durer un petit moment, je pense, le temps que tout le monde y la pique, la vidéo, et qu'il nous fasse griller par Rockstar. Mais profitez-en. Donc là, vous êtes nos abonnés. Vous êtes prioritaires, les gars. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ce glitch de José, Don José, le poteau. Exclu total de José. Donc encore une fois, abonnez-vous à sa chaîne pour les autres glitches qu'il y aura une fois que ça sera patché, quoi. Il vous en sortira d'autres sans problème, les gars. Sur ce, je vous laisse. Bonne duplication, enrichissez-vous bien. Ciao ciao, merci Rockstar, à bientôt les potos. Do you?